Les décès de 16 personnes ont été confirmés ainsi que 300 blessés dans un tremblement de terre au Japon. Tôt dans la journée de jeudi, le séisme a fait trembler la préfecture la plus au nord du Japon, Hokkaido. L'agence météorologique du Japon dit que vendredi à 4h du matin, la zone a enregistré 93 secousses ressenties par la population. Cela inclut deux secousses d'une intensité de 4 sur l'échelle d'intensité sismique du Japon. L'agence prévient qu'un mouvement sismique d'une intensité allant jusqu'à 7, le plus haut niveau de l'échelle au Japon, pourrait secouer la région au cours de la semaine prochaine. Les autorités locales disent qu'environ 30 personnes sont toujours portées disparues. Environ 2000 personnes se sont réfugiées dans des abris installés dans plus de 400 endroits.